Bien, pour la robinetterie, il existe plusieurs modèles. Je vous en présente deux. Voici le premier qui est un modèle coudé. Alors, l'eau pénètre par le dessous, sort sur le côté. Et puis, sa particularité, eh bien, on a ici, on peut y venir insérer une bague filetée, mais aussi à la fois, on pourrait venir l'insérer comme ceci et procéder avec une soudure à l'étain. Pour le second modèle, qui est un modèle assez commun, eh bien, dans ce cas-ci, c'est la même chose. Lui, il est soudé et soudé de l'autre côté. Puis, au niveau des précautions, avant de procéder à une soudure à l'étain, eh bien, on vient vérifier le sens du fluide. On peut voir que la flèche l'indique ici. On retire son intérieur. Là, on peut voir que nous avons du nylon et du caoutchouc qui fait en sorte que lorsque on va souder à l'étain, eh bien, on risque d'endommager les sièges. Alors, on les retire. Puis, on vient procéder à la soudure à l'étain.